Dis la bouille. Tu t'es jamais demandé ce qui se passait dans les parcs d'attractions quand ils étaient fermés? Bah tu crois qu'ils font quoi? Bah je sais pas, viens, on a qu'à leur demander, peut-être qu'ils prennent la foule, parce que je crois que c'est pas mal. Les amis, avant de commencer la vidéo, il faut que vous sachiez que dans cette vidéo, je vais vous faire gagner un passeport annuel pour Nigloland pour leur saison 2022. Vous pourrez accéder au parc pendant toute la saison ainsi qu'à Nigloin. Alors comment ça va se passer? On va cacher dans la vidéo un petit Niglo comme ça et vous allez devoir me contacter sur Instagram pour me dire à quelle minute vous l'avez vu et peut-être que vous remporterez un pass annuel pour Nigloland. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous dans le parc avec Kevin et Rodolphe. Ils vont nous faire un petit tour justement de qu'est-ce qui se passe dans le parc pendant un hivernage et je pense que ça va être super intéressant. Allez, c'est parti! Donc là, on est avec Kevin. Oui. Et Kevin, c'est un des deux employés du parc en opération qui reste... Toute l'année, on est là. Avec notre bon Francis aussi. Exactement, on pense et à aujourd'hui, c'est toi qui vas s'occuper de nous. Exactement, on va faire une petite visite. On va regarder les petits chantiers, tout ça. Ça va être très sympa, mon téléphone sonne. Voilà. C'est magnifique, on va jamais y arriver. C'est toujours comme ça. Hein. Donc, on va bâcher toutes les attractions, tous les décors. Deux semaines après la fermeture pour tout bâcher, ouais, tout faire. C'est la première chose qui est faite. Voilà. D'accord. Sauf certaines attractions qui ont prévu la rénovation, ou qui a des travaux prévus dessus l'hiver. Évidemment, là, on ne les bâche pas. Je sais que Grizzly n'a pas été bâché parce qu'il y avait une intervention dessus. Voilà. Enquête exclusive. Comment va le Grizzly? Comment va le Grizzly? Attention, le Grizzly, reportage au choc, bientôt le Grizzly va bien. Ouf, j'ai eu si peur. Il n'y a plus de voiture. Non, il n'y a plus de voiture. Apparemment, elles sont garées chez Krampus. Ouais, elles sont garées génial. Dans la voie de garage. Et il y en a d'autres qu'on va aller voir à la maintenance. Qui sont, les mécanos sont en train de travailler dessus sur la maintenance des voitures. Ok. Oh non. Ah oui, même le décor. Le j'avoue petit Niglo même... J'avoue que même le décor du petit Niglo est fermé, me bouille. Attends, je vois rien là. Oh non, Niglo. Ah bah en tout cas, il sera pas là, le Niglo caché, hein. Ah non! Là, il est bien caché, là! Ou peut-être! Ou peut-être! Mais elles sont pas bâchées, les cabines de la Grand Mont? Non! Bah, ça ferait 36 cabines, 36 bâches! T'imagines la taille de la cabine? Je pense que tu t'en rends pas compte. Alors, une bâche pour toute la roue, qu'on vient mettre en hélicoptère! Ce serait drôle! En hélicoptère, on a les moyens! On a les moyens! Oh, bouille les bises! Rappelez-vous ces bulles, ce qui leur est arrivé la dernière fois qu'on est arrivé à Niglo. Il y en a un qui essaye de se barrer quand même. Ouais. J'ai promis à Rodolphe que je ne ferai pas de bêtises avec ces bulles cette année. Oh, ils sont mignons les petits chariots. Regarde, là il y a moins de charme. Le jukebox. Allez, on en débâche une et on l'envoie. Allez. Non, on peut pas débâcher avec toutes les basses qui s'envolent et tout. Ah oui, c'est vrai. Wow. C'est vraiment un beau manège. Ah bah le jukebox, ouais. T'es pas massé? Ah ouais, c'est une de mes attractions préférées ici. Du monde, ouais. Donc là, quand tu fais un hivernage sur une attraction comme ça, vous mettez les bâches, on coupe le jus, c'est fini. C'est ça. Et on reprend l'activité à partir de quel moment on commence? À la mi-mars, là on va pas tarder, d'ici deux semaines il va y avoir le débâchage qui va commencer. Ouais. Et puis après les premiers tests, on a le contrôleur qui vient pour faire tester l'attraction. Après derrière on va le refaire fonctionner lors des formations avec les opérateurs. Ouais. Et puis après bah, c'est parti pour l'ouverture aux visiteurs. Ouais, d'ailleurs tu m'avais dit que les formations commencent bientôt là. Ouais, ça donc commence c'est bientôt. Toi et Francis, on est et Francis les deux. Qui faisons les formations. Voilà. Ça va prendre deux semaines pour former l'intégralité c'est ça, du parc. Ouais, deux semaines pour former que les... en opération. Hein. Ouais, que opérateur. Pas que cuisine, pas machin. On parle que des manèges. Nous, après, en même temps, en parallèle, tu as les restaurants qui ont formé leurs équipes. Mais alors après, ça, je connais moins. Ouais. Mais nous, attractions, ça dure deux semaines pour former sur les 43 attractions. Il y a une soixantaine d'opérateurs. 60 tout, opérateurs. Sur tout le parc, ouais. Et là, dans le domaine opération, vous êtes combien à rester dans le parc toute l'année? Que deux, du coup. On est, pour les attractions, on est que deux. Francis et moi, on est les seuls à être là toute l'année. Comme ah, quoi, ouais. Voilà. Donc si vous voulez profiter de Nigloland toute l'année, il faudra buter soit Kevin, soit Francis. C'est ça. Mais moi, j'ai une vraie question. Genre, c'est pas une vraie question, c'est ce que j'ai. Quelqu'un qui travaille sur le jukebox, il fait quoi d'autre comme attraction? Ah, c'est une vraie bonne question. Nous, le jukebox fait partie d'une zone où il y a trois attractions. Il y a le jukebox, il y a la route 66, et me demandez pas pourquoi, il y a le bateau pirate. Mais c'est à l'autre bout. C'est pour ça. Mais donc le bateau. Est-ce que la salle de pause est au fond là-bas?
La salle de pause de ce coin-là, c'est juste derrière la pizzeria, donc c'est juste... Donc ça n'a vraiment aucun sens de mettre le bateau pirate avec eux. Non, et on essaye de mettre les attractions qui ont le même un peu système de... Oui, d'opération. Ah, d'opération. Oui. Moi, je me souviens, à une époque à Disney, on avait été formé par type d'attraction. Voilà, ouais. Alors moi, j'avais fait la formation Orbitron, qui me permettait de travailler à tapis volant, oui, Dumbo et Carousel. Évidemment, qui sont le même système de fonctionnement. Mais qui sont le même système de fonctionnement. Voilà, ouais, t'étais checké rotatif. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était bien. Voilà. Si la console est quasiment la même, c'est facile. Les employés qui travaillent à la petite pomme. Ah, l'Apple. Ouais. Ah, c'est que de la pomme, toi, tu penses à la chenille, du coup. Ouais, c'est ça, c'est vrai que je pensais à la chenille. Non, alors la pomme est avec la rivière enchantée, le petit poussé et les tracteurs. Donc là, la zone est quand même assez proche. Ouais. Jérôme, salut, ça va? Bonjour. Samedi, ma compagne. Caméraman, slash woman, slash femme, slash maman bientôt. Beaucoup de slash. Ouais, c'est ça. Beaucoup, bah, c'est ça un petit peu. C'est un peu comme ici, je pense, que t'as beaucoup de slash quand tu travailles à Nigloland. On a fait une zone qu'on a remis à blanc, et là on replante parce qu'on veut créer une barrière visuelle pour cacher un petit peu la partie métallique de la grande roue, qui n'est pas très esthétique, et qu'on ait un fond un peu plus joli quand on va être sur l'attraction de la route 66. Donc ça, c'est un truc qui n'existait pas avant et que vous avez décidé de mettre en place. Ouais. On l'a remis, on est reparti de zéro pour refaire une zone neuve et pour amener un peu plus d'espace vert qui nous convient, parce qu'en fait on avait des arbres qui étaient partis, qui étaient un peu trop hauts, ouais. Et ça ne nous convenait plus par rapport à l'attraction, par rapport à plein de choses. Toi, tu es responsable de tout ce qui est espace vert ici. Ouais. Ça doit faire un sacré boulot à Niglo quand même, non? Ouais, c'est un beau terrain de jeu. Moi je dis que c'est un beau terrain de jeu. C'est un beau terrain de jeu. C'est beaucoup de boulot. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi je suis arrivé en 2013 ici. 2013. Je suis arrivé en tant que stagiaire, donc j'ai fait un stage de découverte en même temps que mes études. J'ai fait une saison où j'ai travaillé l'été en tant que saisonnier aux espaces verts. Après, j'ai fait de l'apprentissage et après, j'ai pris un CDI. Après... Je voulais dire d'autres. Donc, ouais. Sorry. Business is business. En plus, c'est important. C'est Rodolphe qui fait ça, t'es avec l'autre con. Tu connais bien Rodolphe, hein. Ouais, bah ouais. Voilà, c'est bien, faut que tu parles de ce truc-là parce que. C'est sur ce quoi tu travailles maintenant, mais c'est vraiment sur le processus d'hivernage, tu vois, en global. Par exemple, quand on est passé devant l'Africa Cruise, on a vu que tu avais des arbres qui étaient bâchés. Oui. Pourquoi ils sont bâchés, ces arbres-là, et pas les autres? Ceux-là, on les protège parce qu'ils ont un petit risque avec le froid. Malheureusement, ici, on n'a pas la chaleur des tropiques. Ah. Pour l'Africa Cruise, on a mis des végétaux un peu exotiques. Et pour qu'ils passent l'hiver sereinement, on les protège pour pas que les racines gèlent. Parce qu'on a potentiellement des moins 10 ici l'hiver, quoi. Donc c'est vraiment parce que c'est des arbres tropicaux, exotiques, voilà, qu'il faut maintenir comme des arbres tropicaux, exotiques, dans n'importe. Mais du coup, toi, ton boulot, c'est pas que pendant la fermeture, c'est toute l'année. Mais qu'est-ce qui différencie travailler dans la fermeture du parc? Est-ce que c'est plus facile pour toi parce qu'il y a plus de liberté, ou comment ça se déroule pour toi? Nous, en fait, si on veut couper la... On va suivre un peu les saisons, les vraies saisons qu'on connaît. Donc on a la saison d'été où le parc est ouvert et en pleine exploitation. Nous, on va être un peu les hommes de l'ombre. On est là présent le matin, donc on fait des horaires adaptés. On travaille à partir de 6h jusqu'à 13h. Donc là, on fait un petit peu tout ce qui va être arrosage. Parce que quand on vient à Nigloland et qu'il fait 40, c'est super. Faut que les plantes, elles crèvent de soif. Donc nous, on est là pour arroser, entretenir, vérifier qu'il n'y a pas une branche qui gêne dans un manège. Toujours, en fait, on a deux postes importants qui vont être la sécurité et le maintien de l'aspect esthétique du parc pendant toute la saison où il est ouvert. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail dans les espaces verts? Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de terrain de jeu. C'est-à-dire quand même, ça doit t'éclater d'avoir, je sais pas combien il y a d'hectares ça ici. Ça m'éclate. Hein. J'ai 42 hectares. 42 hectares. Qu'est-ce qui te plaît le plus à faire? Ce qui me plaît le plus, c'est que j'ai pas de routine. Et c'est impossible d'avoir de la routine, alors qu'on pourrait dire que les années se ressemblent, on fait toujours le même job. Mais on travaille toujours sur des attractions différentes. On est toujours dans des univers un petit peu, on passe de l'Africa au quartier américain, on va aller dans le village suisse. On est toujours dans des univers différents et ça, c'est hyper plaisant. Là, je vois que vous êtes 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes combien dans ton équipe? Dans mon équipe, on est 5 permanents. 5 permanents. Après, on prend des stagiaires parce que comme on est un bon terrain de jeu, bah, c'est important que les jeunes découvrent cette partie-là. Du coup, on disait, oui, voilà, on est 5 permanents. En ce moment, on a un CDD parce qu'on est en phase de recrutement. Ouais. On veut amener un peu de jeunesse. Et on travaille aussi avec on donne la chance à des stagiaires de venir découvrir un peu l'univers d'un parc d'attraction. Parce
parce que moi-même, avant d'avoir travaillé ici, j'avais aucune idée qu'à Nigloland, il y avait un service espace vert qui faisait tout ça. Alors qu'au final, maintenant que j'y travaille, c'est évident. Mais il n'y a pas de société extérieure au niveau de l'espace vert. Tout est géré par l'équipe de Niglo. Alors, on a des prestataires qui viennent nous aider sur les extérieurs du parc, sur des missions spécialisées, comme de l'élagage par exemple. Ouais. L'hiver, on a des grosses missions de taille, de mise en sécurité de certains arbres. Donc là, on fait venir un élagueur en prestation. Donc pour des travaux vraiment spécialisés comme ça, on se fait assister. Mais après, on essaye d'être autonome un maximum. Voilà. Bon, malheureusement, je pourrais pas venir t'aider parce que moi, j'ai pas la main verte du tout. Si j'ai une plante, elle crève. Donc. Et c'est quoi le prochain chantier? Donc j'attends que mes collègues terminent les nouveautés pour la saison prochaine pour venir apporter une petite touche verte et sublimer un petit peu leur travail. Eh ben c'est nickel, merci beaucoup. Et du coup, là il n'y a plus de jus. Ah putain. Mais t'es con. T'as cru ou pas? C'est presque aussi beau qu'un camion fauconnet. Did you just Nigloland? Bah, ça va pas la tête. Vous rentrez par la sortie? Ah bah nous on est des thugs, qu'est-ce que tu crois? Mon ami, il va y avoir... Tu vas avoir des idées. J'aurais pas dû faire passer par là. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, mais... je me souvenais pas qu'à l'air meeting, il y avait ça! Qu'est-ce que tu nous caches, Kevin, là? Mais non, c'est les mannequins qui sont... C'est les mannequins qui sont d'un mot au-dessus, exactement. Que vous rentrez à chaque fois. Voilà, les tenues sont au pressing et eux sont là. Voilà, c'est pas des messieurs ni des madames. Hein. Non, c'est... Bah lui, c'est une dame. Hein. J'adore ça, moi, là, les consoles de pilotage, moi, ça me rappelle mes années. Ah bah ouais, voilà, bon, c'est une petite. Hein. Ah oui, donc là... Et ça, c'est les deux caissons, il y en a deux, les deux caissons de base qu'on a au-dessus de la cabine pour les bruitages. Ah oui, donc vous démontez, parce que ça, c'est la télé, justement, ça, des instructions. Ça, c'est l'écran qu'on a dans la file d'attente, avec le support. Ouais. Bah, tout ce qui est, tous les écrans, tout ce qui est électrique qui craint à l'extérieur est stocké. Et on a un petit chauffage, voilà, qui maintient la cabine à une certaine température, voilà, derrière toi, pour éviter le gel l'hiver. Faudrait pas, parce qu'il n'y a aucune isolation dans les cabines. Ah ouais, je m'attendais pas à ce que vous démontiez aussi tout le système audio et tout, quoi. Alors, de certaines... C'est pas tous, pas tous, voilà. Parce que là, oui, j'entends bien que les enceintes qui sont sur, par exemple, le livre de Krampus, vous le démontez pas. Exactement, par contre, elles sont toutes bâchées. Elles ont toutes une petite bâche, ouais. Ouais, il y a du boulot, quand même. Qui les a mises? Les électriciens. Ah. Pas toi, en tout cas. Non. Là, c'est le bouton sur lequel il faut surtout pas appuyer la bouille. Bah là, je pense que si tu fais un arrêt d'urgence, vu que ça bouge pas... Non, ça fera pas grand chose. Ça devrait aller, là. Donc toi, tu fais la maintenance sur tous les manèges? Toutes les attractions. Toutes les attractions. Ouais. Donc tu peux faire tant du coaster que du petit canard, petit avion, quoi. Que du donjon, que du flume, que du... Ouais, c'est ça. Donc vraiment toi, tout. Ça te fait pas peur d'aller chercher un truc en haut de la tour du donjon, quoi? Au contraire, on attend que ça. on attend que ça. On connaît d'autres personnes qui sont comme ça, n'est-ce pas, Clément? T'as pas perdu ton chapeau l'autre fois, là? Où ça? Pour aller le chercher en haut? Non, jamais, moi, jamais je monte là-dedans. Non, si, on est pas beaucoup, hein, mais ouais, si, on aime bien ça. On aime bien monter. Dès que c'est des travaux en hauteur ou un peu spécifiques, ouais, c'est bien. Ça avec grand plaisir. Ah, j'imagine bien. On a le sourire. C'est ce que tu préfères faire, toi, justement, les jobs un petit peu plus périlleux ou... Bah, ça change de l'ordinaire, donc ouais, plutôt que rester au sol avec sa petite casse à outils, c'est sûr que d'aller travailler en hauteur ou même des fois dans des endroits un peu comment, où ça manque un peu d'espace, ouais, ça change. Ça fait combien de temps que tu travailles à Niglo? Depuis 2006. 2006, et tu as commencé dans la maintenance? J'ai commencé dans la maintenance, ouais. Et c'est tout de suite ce qui t'a plu? C'est ce que je voulais faire, de toute façon. Démonter les attractions, les remonter? Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as passé par l'apprentissage, stage? Apprentissage, en fait, j'ai fait... Bah, moi, j'ai un cursus un peu spécial, parce qu'au début, j'étais pas parti pour faire de la maintenance, mais j'ai un niveau scolaire, j'ai passé un bac professionnel maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Ouais. Pour m'orienter, enfin pour. Parce qu'il me fallait un diplôme, il fallait que j'ai un bac pour. Parce qu'au début je voulais être pompier professionnel. Mais en fait je me suis dit pourquoi pas lier mes deux passions, donc je travaille dans un parc d'attraction et à côté je suis pompier. T'es passionné de parc? Ah ouais. Ah ça c'est bon ça. Oui c'est bon. On les aime bien ceux qui sont passionnés de parc. Ouais c'est pas trop mal hein, quand même. Ouais. Quel manège te ferait rêver de travailler dessus, qui n'est peut-être pas forcément. Ah c'est un boliger. Ah ouais? Ah oui. Un bon gros billet. Ah oui, un bon gros boligueur. Ah ouais. Si, Rodolphe, on sait ce qu'il te reste à acheter. Ah ouais, bah ça oui. S'il faut aider, on est prêt à faire une petite. On va faire une cagnotte litchi, ouais. Et bah on peut les lancer maintenant. Ah, un gros gros coaster, toi, ça ferait quoi? Oui, un gros coaster, ouais, mais pour moi, c'est les attractions phares, de toute façon. Ouais. Pour un parc, tout de suite, tu penses à un coaster et c'est ce qui.
Et en plus, c'est un bodyguer, oui. C'est marrant, moi j'aime bien moi, les gens qui sont fans de parcs et qui travaillent dans les parcs. Comme tu dis, tu vois, lier la passion avec la possibilité du travail, il n'y a rien de mieux. Quoi. Ah non, mais complètement. Il n'y a rien de mieux. Ah, c'est pour ça que tu viens le matin, c'est avec le sourire. Et puis, non, franchement, c'est plaisant. Et puis, ça te permet, même sur des manèges qui paraissent aussi, entre guillemets, simples qu'un air meeting, tu dis, il y a quand même beaucoup de boulot à faire. Ah, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Et du coup, là, mais... là, tu dis que tu vas démonter un véhicule. Vous faites ça tous les ans ou c'est dans le besoin si Non, c'est tous les ans. En fait, c'est ce qu'on appelle la maintenance préventive. Là, notre but, c'est de contrôler le bon fonctionnement et le bon état de tous les éléments mécaniques. Donc, on va faire ce qu'on appelle un peu du picking. Chaque année, on va changer d'avion. Donc, des fois, il y a des gros entretiens. Là, tous les hivers, ou l'hiver, on va démonter l'attraction complète. Ouais. Parce que, par exemple, on a besoin d'intervenir sur la pièce du centre. Donc là, on va en profiter. Vu que les avions seront au sol, on démonte vraiment tout. Mais là, cet hiver, on n'a pas de maintenance spéciale, pas de grosse maintenance sur cette attraction. Donc là, on va démonter. Là, par exemple, c'est l'avion numéro 3. On l'a démonté cet hiver. Complètement. Complètement. Ah ouais, vraiment complètement. L'axe pour contrôler, faire le contrôle des soudures et l'état des pièces. Ok. Et ensuite, on remonte tout ça avec des pièces neuves. Et pour moi, Niglo, c'était le parc le plus attractif, point de vue professionnel. Ah bah c'est ça, c'est le côté familial aussi. C'est ça aussi qu'on recherche. C'est pas de bosser dans une usine. C'est pour ça que là, ici, nous, c'est. Tu n'es pas qu'un chiffre, un pion, un numéro d'ID ou quoi que ce soit. L'avantage, c'est qu'ici, tout le monde te connaît. Dans le milieu de la maintenance, vous êtes combien à Niglo à l'année, tu vois? En permanence. Parce que là, au niveau des effectifs, ça a un peu changé. Point de vue mécanique, déjà, on est 4. Permanent. On est 4 mécaniciens permanents. Ouais. Les électriciens, combien ils sont? Ils doivent être 6. 6. Ouais. Alors, 6, alors ça dépend, parce que tu as électricien, tu as automaticien aussi, tout dépend. Mais après, vraiment, la branche électrique, allez, on va en dire 8. Ah ouais, quand même. On va parler de 8 comment, effectifs dans la partie élec. On est 4 en méca. Et puis après, on a aussi un chargé d'études. On a le directeur technique, on a son adjoint, on a un responsable gestion de maintenance. Donc tout ça au cumul, on a un effectif de 16-17 je crois au niveau de la maintenance. Ouais, ça fait quand même une sacrée équipe encore. Là on est en train de refaire les montgolfières, c'est nous qui les refaisons aussi, on ne fait pas sous-traiter. C'est nous qui avons démonté l'attraction, c'est nous qui faisons le contrôle des pièces. La sous-traitance, ça va être la peinture, ça va être refaire usiner des pièces. Mais sinon, c'est vraiment nous qui gérons... Ils géreront le montage, le démontage, l'entretien des pièces aux ateliers. Ouais, donc là, un peu comme le cas de certaines nouveautés, vous démontez tout et vous remontez tout. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est marrant, ça. En même temps, ça permet d'avoir un bon visuel sur chaque pièce, sur chaque... Ah, mais c'est ce qu'on cherche à faire aussi. Ouais. C'est pas se dire, allez, on va démonter telle pièce, l'autre, celle-là, on la met de côté, on verra ça plus tard. Non, c'est là, on prend mon golfière, on démonte tout, mais vraiment tout de A à Z. La moindre petite vis et on change, on refait tout à neuf. Ça, c'est bien. Et il y a des saisonniers quand il est ouvert le parc? Des saisonniers? Oui, on en a. Bah oui, parce que là on monte à. Alors non, dans la service maintenance. Oui. Non. Ouais, donc parc. Service maintenance. Non, après on a des stagiaires. Après on peut avoir des aides ponctuelles. Si jamais on a des gros travaux, des gros travaux où on n'a pas forcément d'avoir une connaissance technique hyper fine. J'ai pas d'exemple qui me vient actuellement. Des fois, tu vas avoir des écoles qui sont particuliers dans un domaine, je dis conneries, la peinture de détail, machin, qui peut venir faire une journée de stage, deux jours de stage. Stagiaires, on en a beaucoup qui viennent. Ouais. Justement, parce qu'ils sont intéressés. Il doit y avoir énormément de demandes de stage. Alors là, les demandes, je les vois pas passer. Mais on a quand même pas mal de stagiaires. Alors, c'est pas forcément des stagiaires qui sont motivés par le domaine des paris d'attraction. Ouais. Justement, pour eux, c'est un peu une découverte parce qu'ils connaissent pas du tout. Ils connaissent Niglo de nom, mais par contre, ils viennent au service maintenant. S'ils ont jamais regardé à travers le grillage en se disant, bah tiens, c'est là où sont les ateliers. Ça, la plupart des stagiaires non, ne le sont pas. Par contre, ils sont étonnés en voyant les locaux, en voyant aussi les différents ateliers à droite à gauche sur les attractions. Ils disent, ah ouais, disons, c'est quand même important. Quoi. Ouais, il y a quand même du boulot, quoi. Ah, il y a du boulot, ah oui, c'est sûr. C'est là où c'est bien de travailler avec des fans et des passionnés, c'est que le fan va chercher à savoir, mais attends, ça, l'armoire électrique elle doit être pas loin, comment ça fonctionne, il y a déjà il y a plusieurs trucs. T'as le fan déjà qui va être là, enfin fan ou on va dire même passionné, c'est des fois fan c'est un peu j'aime bien un parc fan, c'est un beau mot, mais en fait ils vont chercher la petite patte. Moi je le cache pas, moi je sais qu'au début, mon début je voulais travailler Europa Park.
Europa Park, je veux dire, j'ai visité ce parc-là des dizaines et des dizaines de fois, si c'est pour ne pas dire plus de 100 fois. Ouais. Et franchement, des fois, tu te poses et puis tu regardes, tu vois les techniciens, tu dis, attends, nous, ça, c'est notre entrée publique, mais eux, par où vont-ils passer? Ouais. Tu les suis un petit peu, tu regardes, tu dis, oh la vache, j'ai la petite porte-là. Et cette porte-là, elle mène où? Alors après, tu vas dans le bâtiment, tu dis, ah tiens, c'est peut-être cet accès-là, et c'est là où c'est intéressant, c'est marrant, quoi. Oh bah, c'est le petit... tu sais comment on appelle ça? On appelle ça de la déformation professionnelle. Ah, ça aussi. Mais même encore maintenant. Hein. Je veux dire, je vais dans un parc, je suis toujours à chercher, même si maintenant, on arrive quand même à avoir des informations sur les attractions. Dans les autres parcs, on sait à peu près comment ça tourne, comment ça se passe. Mais tu as toujours cet œil, moi je sais que je visite n'importe quel parc, j'ai cet œil en disant, tiens, au fait, il y a le parc, mais les locaux techniques, où est-ce qu'ils sont les ateliers? Et l'équipe maintenance, pour se déplacer dans le parc, ils font comment? Et si et ça, enfin, tu vois, non, c'est... Ouais, ouais, c'est des formations professionnelles, mais bon, tant que tu le fais toujours avec le sourire, oui, c'est... Non, mais... ouais, c'est bienveillant, c'est pas malveillant quand tu le fais. Mais c'est vrai que j'ai travaillé 6 ans à Disney, moi j'étais dans l'opérationnel, hein, comme toi, et du coup... j'ai toujours le regard sur l'opération d'une attraction, tu vois. Ouais. Et même si des fois tu juges, tu fais « Ah, là, c'est pas terrible, là, c'est... » Ça te permet quand même aussi de comprendre un peu mieux comment le parc il fonctionne. Moi, je trouve ça super intéressant. Moi, ah, c'est sûr, c'est le top. C'est ça qui est passionnant aussi dans le métier. Bah oui, tu m'étonnes. C'est que t'as le côté féerique d'un côté, mais t'as aussi le côté backstage où là, tu te dis « Attends, ouais. » Toute cette magie-là, elle sort d'où? Et hop, t'essayes d'éplucher un petit peu. Les mots qu'il utilise, on dirait qu'il travaille chez Mickey. Ouais. Non, j'ai pas employé le mot guest. J'ai utilisé le mot visiteur tout à l'heure. C'est con, j'aurais dû ramener mon maillot de bain. Ouais, puis il faut imaginer que là, c'est des flamants roses. Ah, c'est des flamants roses, là. Ah, et oui, aussi, maintenant que tu le dis. Donc là, vous avez baissé un petit peu. Le niveau est baissé. On ne vide jamais complètement pour éviter que la dalle pète avec la pression et que ça remonte. Oui, comme une piscine, exactement. C'est pas bon de vider une piscine. C'est exactement ça, donc on laisse toujours un certain niveau d'eau pour maintenir... Tout ce qui est mécanique, le câble, tout ça, il est encore sous l'eau, tout là. Oui, on le voit. On le voit ah oui, on le voit, ouais. Mais les bateaux sont partis. Les bateaux sont retirés. Et ils sont où, les bateaux? Alors, les bateaux, ils sont stockés quelque part dans le parc, on va pouvoir aller les voir. On est en train de se dire que c'est marrant quand même de se balader comme ça dans le parc vide, c'est ça fait plaisir quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on On aime bien aussi voir le parc rempli. Ouais. Blindé de visiteurs avec 50 minutes d'attente à Krampus, on aime bien. C'est des backstage. Les backstage, pour la première fois le grillage est ouvert. Ouais. Oui. Et toujours cette couleur verte. Toujours. Un jour je ferai peut-être une vidéo sur la couleur verte. Ah bon, mais... Non mais tu sais pourquoi? Non. C'est ce qu'on appelle le go away green. Ouais. Alors tu as go away green, go away gray et go away blue, qui sont des teintes de couleurs vertes, grises et bleues, qui font que si tu ne fais pas attention, ça c'est génial, ça, moi j'adore. Donc... Tu ne fais pas attention, le bâtiment peut disparaître de la vue. Waouh. Ah oui, vous êtes jamais venu même. Jamais. On va éviter de filmer le drapeau du Silver Star. Bah, c'est le coin à Pierre. Voilà, le fameux Pierrot qui aime bien. Pierrot de la maintenance, c'est son espace. C'est son bureau. Donc, toute la partie maintenance, alors là, vraiment mécanique, l'espace des mécanos est ici. Donc là, en l'occurrence, on voit une bûche de la rivière. Ouais, plusieurs qui sont en vérification. Est-ce que la coque est toujours étanche, tout ça. Et les roues, est-ce qu'elles sont en bon état? Et alors s'il y a des petits points peinture à refaire, tout est refait ici. Là. C'est bon, elle est réparée quoi. Elle est réparée. Elle est prête à retourner ouais, à flot. C'est ça. Tu vois tous les jours le dessous d'une bûche. Le dessous d'une bûche. Oui. Remarque, c'est un truc qu'on n'a pas forcément envie de voir dans un parc. Non, normalement. Une bûche renversée. Mais là, c'est vrai que tu vois vraiment tous les. Déjà, tu t'en rends compte que c'est quand même bien balèze. Hein. Ouais. Parce que tu rentres dans une petite bûche, mais c'est bien gros. Mais ça, c'est les roues qui permettent de descendre. La descente. Ça, c'est pour que la bûche ne te tape pas sur les côtés du truc. Ça, c'est pour que ça s'accroche bien sur le tapis de montée. Exactement, tapis de montée, tapis de station. Là, tu as tous les rails pour l'anti-rollback. Exactement. Ah, c'est pas des rails, mais. Oui, on a des butées. Et un petit flapouillon là. Voilà, pour évacuer. Système d'évacuation. Si on appuie ici, regardez. On mettra un petit bruit de prout. Ah. Il est content, Rodolphe. Les petits trains. Les deux petits trains qui sont stockés là. Ah, mais on les voit pas. Ils sont cachés, les petits trains, ils font dodo. Donc tu disais, ouais, donc ils viennent ici. On les met là. Donc tout l'hiver, ils sont là tous les deux. Quand on en a besoin que d'un, le deuxième est stocké ici.
Sinon, en saison, ils restent alors, en station. Ils restent sur station. Voilà, là, c'est juste uniquement pour l'hiver qu'ils sont là. Sinon, ou quand on en a des deux qu'on en a pas besoin. Donc ça, en journée, ça nous arrive. Hein. On a une panne sur un train, faut on change la locomotive. On a la deuxième qui doit être prête. Et hop, on échange en journée avec les visiteurs. Hein. Mm-hmm. On les fait patienter en gare et puis et ça se fait très vite. Ça, c'est une partie du lot qu'on ne connaît pas. Là. Pas du tout. Alors, ça, c'est et qu'est-ce qu'ils font les dadas là, dans la cabane? Ils se font protéger. C'est ça. Ça va être les décors, je crois qu'ils vont être utilisés. Ah, mais oui, c'est les dadas de l'entrée. Dans la descente du grill. Ouais, c'est la pour Halloween, ils sont habillés. Ouais. Donc là, on a tous les bateaux africains. Moi, c'est bon, on fasse gaffe du coup. Oui, c'est vrai. Wow. Des fois, les fermetures sont un peu dures. Quoi, bateaux africains. Les bateaux africains cruisent. Ah. Je suis impressionné que tous les véhicules sortent du circuit. Ouais. Vraiment, je m'attendais vraiment à ce qu'ils restent dans la flotte et qu'ils restent là. Bah. Bah non, parce que tu laisses ça dans l'eau et ça s'abîme. Ouais, ça abîme les peintures, l'eau, c'est agressif. Que là au moins, et puis nous, pour entretenir, au moins ils sont au sec depuis plusieurs mois. Quand tu veux travailler dessus, bah ils sont bien secs. Ouais. Et ça appartient à Niglo aussi. Alors ça, ouais, du coup, là on a tout l'espace des maçons. Ouais. Le nouvel espace des maçons qui est là depuis quelques mois. Et en fait, l'été, ça va être le parking. Alors l'été, il n'y a plus tout ça, hein. Ça prend beaucoup moins de place. Et c'est le parking pour les saisonniers. Ah. D'accord, pour les employés. Tous les saisonniers vont pouvoir se garer là. Je suis très surpris que vraiment tous les véhicules soient sortis. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils restent dedans. C'est cool de voir ça. Ça te plaît la bouille de voir les coulisses de Nigloland? Ah oui. Ah oui. Alors là, le gros bâtiment blanc, c'est le bâtiment du Niglo Show. Ah. Et là-haut, il y a quelque chose. Et c'est quoi? C'est la Niglo Linda qui descend sur sa balançoire au moment du spectacle. Non, on a la petite boîte au-dessus là. C'est ça, la petite boîte au-dessus, ouais. C'est la préférée de Goutrou. Là, on a le stock. Bon, ça, c'est pour vous, petite info personnelle. Tout le stock donc du bar. Merch. Ouais, merchandising, nourriture également. On a toutes les chambres froides, enfin certaines qui sont là. Juste à côté, on a les légumeries, le pop-corn, les salades, le pain est cuit sur place et fabriqué sur place, donc juste là où il y a la vitrine. Ouais. Juste derrière, c'est l'espace pour les jardiniers. Et après derrière, électricien, et après on rejoint la maintenance. Ouais, ça fait quand même une sacrée longueur de bâtiment. Hein. C'est plus grand que le bâtiment que le manoir hanté. Hein. Ah oui, c'est beaucoup plus grand là. Ouais. Rue de la Bêche, j'adore. Et donc du coup, la droite, c'est... Et là, vous devez retenir où on arrive. On est... Bah oui, on est au bout, miam miam. Voilà. Le Canada, donc tout l'hiver, les restaurants... Tout est retiré, tout est vidé. Il n'y a plus une friteuse, il n'y a plus un lave-vaisselle. Ah oui, il n'y a rien. Tout est retiré au mois de novembre, tout est nettoyé, stocké à l'abri. Et là, d'ici une quinzaine de jours, les équipes des restaurants vont revenir pour remettre tout en place, les friteuses, lave-vaisselle. Dans tous les restaurants du parc, c'est comme ça? Ah ouais, tout est retiré, nettoyé. Ah ouais, ouais ça en même temps, c'est ouvert là. Oui, là, c'est en extérieur, mais. Bah, les restaurants intérieurs, on n'en a pas beaucoup, on n'a que la taverne, où lui, justement, c'est là où on va stocker. Le reste le matériel des restaurants qui sont à l'extérieur. Elle me demandait qui c'est qui travaille sur la... Là, on a fait tout le nettoyage de la rivière canadienne cet hiver. Le bassin a été vidé, tout le canal a été nettoyé. Et c'est des responsables restaurants qui sont en train de faire ça, qui travaillent tout l'hiver, toute l'année, et qui s'occupent de ça en ce moment. Oui, il faut bien qu'il se trouve quelque chose à faire. Exactement, exactement. L'hiver, forcément, les restaurants sont fermés, les attractions sont fermées. Donc on a la polyvalence. C'est le mot d'ordre. Donc là, la rivière est vide. Oui. Le canal est vide, le bassin est vide également. Le bassin va être nettoyé là par une entreprise extérieure. Hein, exactement, avec un camion. Le camion, il va descendre dans le bassin et il va tout aspirer, tout va être nettoyé pour tirer toutes les feuilles, les branches, puis toute la boue que ça forme. Et voilà, pour que ça soit nickel. Voilà, si tu remplis ça d'eau. Ouais, si tu remplis ça d'eau, tu te retrouves avec la flotte de Plopsaland. Quoi. Donc là, moi, j'ai une question. Le lac, il est pas vidé, le bateau, il est pas bâché? Non. Ça dérange personne. Bah, si on vide le bassin avec le bateau va se renverser. Donc on peut pas. Et le bateau, non, il est pas bâché. Il est peut-être un peu grand. Il est pas bâché, mais par contre, les animatroniques sont derrière une bâche. Oh, regarde les dadas, ils font dodo. Les décors du parcours sont stockés sous la station. Ah, c'est les décors du en fait, quand parcours. Tu fais tour, ouais, d'accord. Bah, les élans que tu connais bien. Non. Attention, bouille, il est sauvage. Oh là là. Ah, les arbres sont peut-être pas là. Si, ils sont par terre là. Ici, ouais, c'est bien, c'est celui-là. Hein. Il va se rappeler de toi. Il est traumatisé, le truc. C'est les premiers Rodolphe que je ne ferai pas de. Ah oh. Mais tu ne fais rien, Bouille. Non, je ne fais rien, je regarde juste. Voilà, c'est bien. Et donc là, ils ont mis une petite bâche quand même pour. Bah, pour le bar, on a les cassons. Pour le coup, on les tire, mais c'est pour le comptoir avec la pièce en dix. Comment? Tu n'en mets pas? Le bar. Bah, si, il reviendra. Mais là, tout a été retiré, mais ils l'ont bâché comment?
le petit bar avec de la Bud Light pour boire un petit coup avec Étienne. Étienne, il a la répute, quoi. C'est le seul endroit du parc où vous pouvez acheter de la bière bouteille. Ah. Information à savoir. The more you know. Bah, attends, de la bière bouteille. Bouteille. Ailleurs, ça sera que de la pression. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça que c'est de la Bud, parce qu'on est dans le quartier américain, tu vois. Canadien. Américain, canadien, c'est la même merde. Ah bon ? Il a pas un truc à nous dire, ton ami canadien ? Franchement, c'est un beau parc. J'imagine bien le grizzly dans mon jardin. Ah, moi aussi. Ah, le grizzly, il est là. Voilà, on le connaît bien, ce grizzly-là. Il va chez lui aussi. On dirait un grizzly qui s'est déguisé en fantôme, tu sais. Ah, mais c'est l'Halloween. Il fait ouh. Non, ouais, c'est marrant, quoi. Donc, du coup, le disque n'est pas là. Non, le disque. C'est plus facile d'accès pour la maintenance. Exactement. Là-bas, on a beaucoup plus d'espace. On a une rampe qui nous sert normalement d'évacuation, mais qui nous permet d'accéder au disque. Et puis, on a pas de décor. Du coup, en dessous, il n'y a pas de végétation. Il n'y a rien qui nous gêne si on veut démonter ou accéder en dessous du disque. En fait, c'est beaucoup plus simple là-bas. Ça a été fait pour être fait là-bas, finalement. On passe à des endroits interdits, les amis. Donc là, vous sortez du tunnel. Tu reconnais, hein. Ouais. Le tunnel, le deuxième est là au milieu, on repart là-bas. Puis le parcours de la rivière Cachée. Quand tu le vois comme ça, la montée elle est haute. Hein. Ah là, oui. Ça te fait peur la bruit? Oh oui, moi je l'ai déjà fait deux fois. Et sur la route de maintenance qui s'appelle? La route de maintenance qui s'appelle le gratte-pé. Mais pas pec-pec comme ça? Non, c'est la P, P-A-I-X. Ah, ah, d'accord. J'ai pas l'impression quand on fait la file de voir cette route. C'est vrai? Ouais. Moi j'ai l'impression que du coup on la voit tout le temps, mais parce que je la connais. Ouais, donc c'est bien, si vous la voyez pas, tant mieux. C'est que ça veut dire que tu ne feras plus jamais la file d'attente du grizzly de la même façon. Non. Bah oui, je le verrai toujours maintenant. Oh. Ça, vous voyez là, les coasters fans de mes couilles. Ça, c'est un coaster, ça. Hein, avec votre coaster carne de merde. Pareil, hein. Le spatial, quand t'es à côté du bâtiment comme ça. En fait, on n'est jamais à côté de cette taille-là, on est toujours devant, et devant il est beaucoup plus petit. Ouais. Et il est en descente avec les gros supports. C'est vrai que... On n'a jamais cette hauteur-là, parce que là tout le lift est juste là derrière, hein, il est juste là. En spirale, donc tout est là, on n'est jamais à cet endroit-là, les visiteurs ne viennent pas ici. Ça te fout les miquettes de voir mais un ça bâtiment. Monte à quelle hauteur? Le rail est à 25 mètres et le bâtiment fait 30 mètres de haut. Waouh. Donc on est quasiment à la même hauteur que l'Alpina ou Krampus. Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est vachement haut. Oui, tu sais quoi, donne-moi la caméra, je vais te laisser toucher la berque. Oh regarde, il y a même une échelle si je veux. Alors ça, à bâcher, c'est très très long. Ah j'imagine, ouais. Les bâches sont très très grandes, c'est en plusieurs parties, c'est scratché, sanglé. T'as touché la berque là. Je le ramène. Tu le ramènes à la maison? Ah, une petite rampe d'évacuation, hein. Ça exactement. Ça rentre pas, ouais, chez nous en fait, hein. C'est immense. Hein. Ceci est un coaster. Regarde, oui. Et là, il y a le truc électrique là. Ouais. Tu as cru là ou pas? Non. Non. Comme dirait Patrice, dans le cosmos. Dans le cosmos. Mais... Alors, oh, il fait froid ici. Il fait froid dans l'espace. On arrive directement sous la voie de garage. Ouais, on arrive direct sous le train. Moi, personnellement. Ah oui. Et donc là, il y a quoi comme entretien sur ça, là, l'hiver? Alors l'hiver, là, cet hiver, justement, il y a un des deux trains. Tous les temps d'année, on doit démonter un train complet. Et cette année, alors je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, mais il y en a un des deux qui a été entièrement démonté. Ah, entièrement. Et les pièces en mauvais état ont été changées, comme expliquait Pierre tout à l'heure. Pierre. Et comme ça nous permet de faire un bon nettoyage également dans autour des bogies, c'est là où se trouvent les roues, les coques, les barres de sécurité, tout le système aussi a été vérifié avec tous les crans. La crémaillère des barres de sécurité, tout ça est vérifié à ce moment-là. Quelque chose, hein? Mais c'est immense. Wow. Il est grand, le coaster, hein. On comprend rien. C'est drôle. Bah. J'aime bien, moi. Et t'as des gros météorites, là. Il fait froid dans l'espace, hein. Ouais, bah, l'espace, il fait froid dans l'espace, il râle, ma petite... Mais attends, mais c'est quoi, ça? Ça, c'est le village sorcier. Ouais. Non, mais à l'intérieur. Ouais, c'est toutes les tables du quartier américain. D'habitude, il n'y a pas le chapiteau. Si, il y a le chapiteau avec des tables pour manger ou pour j'ai boire. J'ai jamais vu. Nigloin, essentiellement. Wow. Non, bah, avec eux à Nigloin, d'ailleurs. Nouveauté 2022, la tractopelle. Waouh. Mais dessus avec un harnais,
Et Kevin qui opère le truc, c'est génial. On l'a testé tout à l'heure en avant-première. C'est pas mal, franchement, ça vient. Belle attraction. Oh. Oh. Oh, des train de coaster. Oh, le rouge, il va tellement plus vite. Ouais, c'est pourquoi ? Non. Bah, le rouge, c'est. Je sais pas. T'étais déjà venu en dessous, je sais plus. Moi, ah, non. Regarde les petits hérissons là-bas. Oh, ils sont beaux, hein. Et ils sont propres, hein. Waouh. Ils ont même pas été nettoyés. Ils ont même pas été nettoyés ? Non, mais ils salissent pas. Non, les voies de garage sont pas sur rail, il est posé. Il y a des petites roulettes, il est posé, comme ça on a directement accès aux bogies. Il est pas sur rail. Le rail, tu le perds ici. Mais attends, comment il fait pour. Je comprends pas là. Ouais, non, mais moi non plus, je comprends pas. Attends, mais. Ah ouais, tu vois pas. Ça, c'est les personnages de la. C'est les hérissons, hein, qui vont être faits, je crois, dans la vie. Ouais, là, t'as le bout de rail avec ton transbordeur. Ouais. Et là, quand tu le recules, les moteurs là, il n'y a pas de pression, donc ils sont en bas. Et normalement, ils sont en haut. C'est les roues de friction, hein, ouais. Les roues de transit, ce qui permet de te faire reculer. Et hop, ah, le, la roue, elle et monte. Après, il s'insère sur la roue, elle monte. Ouais, c'est normalement, ça, c'est monté avec la pression derrière. Là, le compresseur, il est vide. Et donc, du coup, t'as des roulettes sur le châssis pour. Exactement, t'as des petites roulettes qui envoient là, t'as une roulette latérale. T'as une porteuse, et comme ça, le train, il est posé sur des roulettes. En voie de garage, c'est putain, comme ça. Putain, mais c'est vachement intéressant. Et comme ça, t'as ton bogie. Ah ouais. Qui est libre. Tu peux vraiment travailler dessus. Faire, changer ouais. Les roues et tout. T'as pas un rail qui gêne. Et s'il y a besoin de régler, parce que les roues se règlent par rapport au rail, on a un gabarit. T'as un gabarit de rail qui se déplace. Ah, le truc rouge là-bas. Exactement. Merde, alors là, je suis sur le cul, parce que vraiment, à Disney, ah ouais. Quand je travaille à Rock ou ouais, mais parce que c'est les anciens ça. Coasters, nous, c'est les premiers qui sont comme ça. Ta voie de maintenance, c'est des rails c'est normaux. Des rails, ouais. Mais là, ça, mais là c'est coup, carrément mieux à niveau maintenance. Comment ils changent les roues, alors ? Ah bah, ils démontent les cieux. Ouais. Oh. Parce que là, non, là, il n'y a pas besoin. Là, t'acceptes directement. C'est vraiment. Enfin, c'est, pour moi, je trouve ça ingénieux, pour toi, tu trouves ça normal. Oui, bah oui, c'est habitué. Mais je trouve ça vraiment incroyable. Après, c'est Mac qui fait ça, hein, c'est pas nous. Mac, poudou. Mais ouais, et là, le gabarit, tu peux le déplacer, et comme ça, tu peux installer ton gabarit de rail. Bah, tu vois, quand tout à l'heure, tu nous as dit, c'est les opérations qui graissent les roues. Exactement. Je disais. Oui, tu te disais que le rail, ça doit être compliqué. Oui. Ou... Ouais. Mais en fait, non. Pas du tout. C'est tout con. T'as une main, t'as ton pinceau avec la graisse, de l'autre, tu fais tourner ta roue et comme ça. Et en même temps que tu fais ça, tu vérifies l'état de la roue. Qui est pas, bien sûr, qu'il n'y ait pas un poids, qu'elle soit pas déchirée. Qu'il n'y ait pas de la poussière de polyuréthane, que t'aies pas un creux à l'intérieur, un bout de gomme qui a disparu, on ne sait pas. Que ta roue est présente aussi. Oui. Ah oui, par exemple, ah oui. Parce que là, il nous manque une roue porteuse. Donc là, normalement, un bon opérateur, il se dit, je démarre pas la traction. Limite, si elle est pas là, t'as plus de chances de l'oublier que... Ouais, je suis... vraiment, moi, ça me trouve le cul, quoi. Je trouve que c'est tellement plus intelligent. Mais c'est marrant, tu dis qu'ils ont pas été nettoyés, les hérissons. Non, en gros, tu vois, ils ont un petit peu d'usure, mais c'est vrai que... Mais la peinture est super. Non, on les a sortis comme ça, tout le train, du moins les essieux, tout ça, sont démontés souvent, notamment pendant les hivernages. Ouais, quasiment tous les hivers. Tous les hivers. Tous les hivers, on nettoie complètement, c'est-à-dire on retire la graisse, la poussière, les cheveux. Vous imaginez pas le kilo de cheveux qu'on retrouve. Tout est nettoyé, voilà, que ça soit impeccable. Et après, la maintenance vient, il y a des roues qui sont changées, des axes qui sont vérifiés. Et ça, c'est tous les hivers. Waouh. Sur les deux trains. Je suis ouais, donc là, ils ont déjà été faits parce qu'ils ont ouais, là, ça a été nettoyé. C'est pareil, c'est ce qui a été fait au mois de décembre. C'est ce qu'on fait dans les débuts, généralement. Comme ça, après la maintenance, elle a le temps d'intervenir. Chaque fois qu'on vient, c'est fermé. Ah, il faudrait que vous veniez un jour ouvert. Ouais. Alors, du coup, la gare est fermée. Ouais, fermée. Jusqu'à nouvel ordre. Ah ouais, mais. Jusqu'au 9 avril. Ici, il n'y a pas de rail. Bah non. J'avais même pas fait gaffe. Non, c'est le principe d'un water coaster. C'est que toute la partie dans le canal qui est là-bas est. Oui, dans le fond, oui, ça me paraissait logique. Bah, mais pareil. Ici, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y en avait. C'est marrant de voir les cailloux posés sur le béton, ouais. Tu sais, comme ça. Qu'ils soient harnachés. Oui, mais eux, ils servent aussi pour que ce soit joli la cascade. Ouais. Ouais. Au début, en fait, il y en avait pas. Ouais, très linéaire. Et il y avait Rodolphe, Brandon, et ils se sont dit non, faut qu'on trouve un moyen de faire un peu de remous, qu'il y ait un peu de vague, quoi. Et donc on a eu l'idée, bah, ils ont eu l'idée de mettre des cailloux. Et c'est vrai que tout de suite, ça, ouais, bah, ça fait du remous, voilà, parce que sinon c'était très très droit, très linéaire, c'était pas beau. Oh merde, il y a quelqu'un qui a perdu son plan.
À mon avis, il est encore perdu dans le parc. Hein, oui. Faut qu'on le retrouve. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire depuis tout à l'heure. Ah bon, ma merde. Le pauvre. Le petit Gérard, on sait pas où est-ce qu'il est. C'est marrant, c'est le parc, j'ai l'impression que c'est pas du tout pareil. Bah, ça vous change beaucoup. Nous, on a j'ai l'impression là d'habitude il y a beaucoup plus d'arbres ou je sais pas. Ah ouais je sais pas, pas déjà il manque les bancs. Ouais, les bancs, les poubelles déjà ça. Alors fait... la bâche des petits canards elle est trop mignonne. Oh petits canards. Genre ça, d'habitude il y a un truc devant moi. Non. Mais c'est pas possible, comment je fais pour pas voir ça? Oh c'est fou. Tu redécouvres Niglo ma bouille. Bah non mais j'ai l'impression de découvrir des choses que j'avais jamais vues. Quand il y a des gens, il y a peut-être des gens devant. Regarde les petits canards comme ils sont mignons. Ah oui, il y en a qui s'est échappé de la mare. Non, retourne avec tes copains. Est-ce que c'est un canard de secours lui? Non, c'est un canard. Oh, elles sont là les vaches. Ouais, j'ai envie de dire que... J'ai pas besoin de faire une blague ou quoi que ce soit. J'ai arrangé le fermier. C'est pas moi. Non mais t'es genre les gars, tu sais, ils sont à Nigloland, tu vois, est-ce qu'on va voir Krampus, qu'on va voir tous Stelpin? Non, on va voir les petits canards. Les canards. La mare aux canards. Oh, la bâche, elle est adaptée, full adaptée, quoi. Non mais attends, mais pas toutes nos bâches. Ah oui, c'est le canard, il est là. Voilà, c'est ça. De quoi? Le dernier canard, il va là. Voilà. Il va où? Bah, entre ces deux-là. Ah, entre les deux, ah oui. Il est peut-être la barre, elle... Ça, c'est bientôt à nous, ça. Je sais pas, peut-être un jour. C'est notre barbecue. Ça, c'est notre barbecue. Pareil, les petites abeilles sous leurs bâches. Ils ont des bâches aussi personnalisées. Ouais. Parce que là, je peux te dire. On dirait un peu des bisons comme ça. Mais justement, l'année prochaine, c'est la nouveauté. Ça sera plus les abeilles, ce sera les bisons. Les bisons. Le fameux problème couillon, comme on l'appelle chez nous. Lui, c'est vraiment le champion du monde des problèmes de couillons. Hein. Il n'y a même pas une déco, quoi. Oui, mais c'est un Mac Product. Ah bon? Bah, bien sûr. Ouais. C'est drôle. Ah, t'as la végétation quand même qui est jolie. Bon, bah voilà, on a marché 14 km. C'est ça. On a fait un sacré tour du parc et on se retrouve devant l'Eden Palais pour terminer cette petite visite du parc. Merci beaucoup, mon Kevin. Ça fait plaisir de t'avoir retrouvé. D'être avec toi aujourd'hui. Et puis, de toute façon, on se retrouve très bientôt. Dès l'ouverture du parc. 9 avril. 9 avril. Tac, tac, on y va, on retourne à Nigloland. Et puis voilà. Bon, allez, maintenant, on va aller voir le Big Boss. Ouais. Oui. Alors, je vais lui dire 2-3 mots, moi, ça va chier. Bon bah voilà, on a fait une petite visite du parc avec Kevin. On a pu voir comment ça se déroule un parc en hiver, parce que c'est vrai qu'on est plusieurs à penser que bah, quand c'est fermé, c'est parce que dalle, mais en fait pas du tout. Oui, c'est vrai que normalement les gens croient que comme les hérissons, on hiberne l'hiver, tu vois, on fait dodo, mais non, il se passe plein de choses, et surtout à Nigloland, on essaye de pas faire que des nouvelles attractions, mais aussi d'améliorer les anciennes, comme tu as pu le voir. Voilà, et de faire en sorte que le parc soit mieux, plus beau, et aussi d'augmenter les capacités et tout ça. Ouais, de faire des petits travaux à gauche, à droite, pour que le parc soit bien beau pour le 9 avril, pour sa réouverture. Mais j'ai une petite question. Au niveau de l'hivernage, comme ça, vous êtes encore combien d'employés sur le parc? Il y a 70 permanents. À l'heure où je parle, et il y a une dizaine d'entreprises extérieures qui travaillent, donc tu vois, ça fait quand même, on s'en rend pas compte comme ça, mais je pense que tu as peut-être 100, 120 personnes qui bossent en ce moment sur le parc. Ouais, c'est quand même énorme, 120 personnes, c'est pas... Ouais. Et quand tu es en haute saison, il y a combien Kevin nous avait dit 60 personnes en opération, déjà. Il y en a 420 personnes. 420 personnes, ouais, donc c'est quand même un quart des employés qui restent sur place. Et toi, du coup, en tant que... grand président, directeur, Manitou, PDG, DG, tout ça. Maître Yoda. Maître Yoda. qu'est-ce que tu fais, toi, pendant l'hiver, à part aller visiter les concurrents et acheter d'autres coasters? Bah, figure-toi que j'en ai pas trop visité cet hiver, même, je crois, je n'ai pas fait un parc, tu vois. Ouais. Mais non, je suis en réhab, tu vois, j'essaie de... Toi aussi, t'es en réhab? Ouais. Mais non, il y a plein de choses à faire. Bah, quand tu fermes, tu dois... préparer, programmer et bah, tout ce qui est remballage du parc, après nettoyage aussi, parce que quand même quand tu as passé quelques centaines de milliers de personnes, ça use, ça salit, donc c'est du gros nettoyage. Après bah, toutes les réhabs, tous les petits travaux qui doivent commencer avant Noël normalement pour que ce soit prêt à l'ouverture. Et il y a toute la partie administrative aussi du parc avec les autorisations. À partir de janvier, on remet en vente les billets. Normalement on vend la moitié des billets du parc avant l'ouverture.
Donc ouais. Ça fait pour trouver les équipes commerciales, faire toute la com, contacter tous les influenceurs. Non, c'est énormément de boulot. Enfin, voilà, après, il faut valider des budgets, des trucs vraiment pas fun du tout. Non, mais... c'est pas que du fun que de gérer un parc. Non, hein. C'est pas que de faire du manège. Et voilà, c'est des tableaux Excel, rencontrer les institutionnels, les banques, aller dans des salons. Enfin, c'est plein de choses. Tu vois. Là, réouverture de cette année, 9 avril 2022, c'est un moment spécial parce que c'est les 35 ans de Niglo. Yes. Vous avez prévu des petits trucs à gauche, à droite pour... On a prévu certaines petites surprises pour les visiteurs, voilà, une nouvelle bande-son quand tu arriveras dans le parc, Niglo, Niglotte et les autres personnages qui seront habillés en mode 35 ans, il y aura un gâteau de 7 mètres de haut que tu as pu voir tout à l'heure, je pense. On n'a pas vu le gâteau. Non, mais il y a aussi... Donc, le gâteau, ouais. Voilà, il y a plein de goodies, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des gâteaux d'anniversaire dans le parc, que tu pourras venir manger à la taverne ou n'importe où. Tant de têtes, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a plein de trucs. Pas de nouvelle attraction? Pas de nouvelle attraction, mais tu vois, juste là, ça bosse pas mal. Je sais pas, j'ai rien vu, moi. On m'a rien dit. Ah bon, bah. On m'a rien dit, moi, mais. Mais vous bossez sur des petites réhabilitations. Exactement. On a vu. Parce que le plan est sorti, hein. Le plan, on voit qu'il y a trois points où il y a marqué renouveau en 2022. Ouais. Et il y a un plan qui inquiète tout le monde. C'est. On dirait vers Niglochon, on dirait qu'il se passe quelque chose. Ouais. Le bison, il sera toujours là? Tu sais, il y a un truc de ouf, c'est que oui, le bison sera toujours là. Bon, ça va. Mais il y a un noga qui est spécialisé en animatronics. Il me dit, il voit, il ouvre tous les personnages pour voir tout ce qui est à l'intérieur usé, cassé. Ouais. Et il me dit, depuis que je suis là, donc ça fait peut-être 15 ou 20 ans, il me dit, rendu compte qu'il y a un mouvement qui est cassé. J'ai jamais vu faire le mouvement de en avant, en arrière, se lever comme ça. Et il me dit, normalement, il peut se lever, le truc. Et il me dit, je pense que c'est cassé depuis le début. Donc il n'a jamais eu ce mouvement-là. Et en fait, il y a plein de mouvements dans le Niglo Show qu'on répare. Et je pense que quand les gens vont le revoir là, ils vont dire, il bouge beaucoup plus qu'avant, les hérissons. Et en fait, il y avait la moitié des mouvements des personnages qui ne marchaient plus, ou ne marchaient plus à 100%. Voilà, on change tout le système son, tout le système... Ça, c'est une bonne chose, le système son, on va mieux entendre les choses. Ouais, chansons. À chaque fois, je te dis, voilà, ouais. Système lumière... Passant LED, tout voilà, ça. La PLC... Et deux, trois trucs en et plus. Et des petites surprises. Ouais. Ouais, en tout cas, on va être content de le retrouver. J'ai posé sur Insta, est-ce que vous avez une question pour Monsieur Gélis? Je vais t'en poser quelques-unes et une fois que tu dois partir, tu me dis de me casser. Alors, la première question. Ce serait quoi? C'est une question de Matt Dreamer qui dit, ce serait quoi la chose que tu rêves? Matt Damon? Matt Dreamer. Ah, Matt Dreamer. Matt Dreamer qui est, à mon avis, est fan d'un parc où il y a beaucoup de rêves et de magie, mais pas de nouveautés pour la saison du 30e anniversaire. Non, il n'a pas eu depuis Buzz L'Éclair. C'est terrible. On dit ça, et qui demande, ça serait quoi la chose que tu rêverais le plus d'avoir dans ton parc d'attractions? 1 million de visiteurs. Ouais, je rêverais d'avoir 300 000 visiteurs de plus pour faire 1 million. 300 000 visiteurs de plus. Voilà, c'est ça. Non, en vrai, je fais à peu près tout ce que je veux, tout ce dont je rêve, tu vois, je le fais. Tu vois, j'avais envie d'un water coaster, je l'ai fait. J'avais envie d'un coaster, je l'ai fait. J'avais envie de Noisette Express, je l'ai fait. Je vais peut-être même être à court d'idées. Ah, donc il va falloir donner des idées, envoyer des emails à Rodolphe. Son email c'est vraiment, c'est vraiment ça. Merde. On changera, on blippera. Ouais. Est-ce qu'il y a des zones, il y a Noah qui nous demande, est-ce qu'il y a des zones voisines qui pourraient permettre justement l'agrandissement du parc? Ouais. Et affirme. Hein, ça va arriver. Non, on en a une. On la garde précieusement. On en a deux en vrai, des zones d'extension assez grandes. Et on les préserve parce qu'on se dit, on veut pas y aller en faisant une attraction puis une autre. On veut faire un land entier à chaque fois. Donc, voilà. On attend le bon moment. Il y a forcément la même question qui revient tout le temps. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau coaster? Est-ce qu'il va y avoir un RMC à Niglo? Est-ce qu'un coaster est envisagé bientôt? Peut-être. Il y a une question qui est vachement importante. C'est est-ce que tu as déjà fait Krampus? Non. Parce que moi, la grosse tête en béton sculpté devant, ça me fait trop flipper. Puis j'ai vu que ça mouillait pas mal. Donc, non. Il y a Étienne d'une petite chaîne qui s'appelle ABC Attraction. Je sais pas si tu connais. Non, RMC Attraction. RMC, ouais, c'est ça. C'est lui qui est sur RMC d'ailleurs, effectivement. Ah oui. Qui demande quelle est ta chaîne de parc préférée et pourquoi CEDB Attraction. Ah, d'accord. CBD. Ouais, c'est CBD. Moi, j'aime bien. CBD Attraction, c'est super. C'est plutôt pas mal.
Il y a une question con, mais c'est vrai qu'on a relevé tout à l'heure avec la bouille, c'est Goutreau qui a posé cette question. À quand une collaboration avec Launchfly? Ça peut être cool d'avoir un sac Launchfly avec des petits niglots dessus. Là, tu connais pas Launchfly? Je pense que Rodolphe, il est complètement... Launchfly, tu connais pas? C'est qu'un Launchfly? Non, c'est quoi? C'est des sacs comme ça. Ah, ouais. Et ils font des partenariats, pas qu'avec Disney, bah, Disney avec pas mal de choses. Ça peut être sympa. Hein, du bon merch d'attraction et en général. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher, ben voilà, très bien. Donc non. Voilà. Bah pourquoi pas. Non, à vendre. Pourquoi pas. Mais du merch d'attraction, ça. On nous parle beaucoup d'un t-shirt d'Alpina Blitz qui existait pendant un moment, mais est-ce que tu penses refaire revenir du merch d'attraction? Oui, pourquoi pas. Mais je m'en occupe plus, moi, des retails. Mais je vais demander à la personne en charge, entre autres ma sœur, donc je dirais Lara. Si vous écoutez, il faut faire du merch sur les attractions. Ça serait bien. Merci beaucoup, Lara. Est-ce qu'un retrack de Spatial Experience est prévu du même niveau que Eurosat à Europa Park? C'est Alex Bacher qui nous demande ça. Du même niveau que Europa Park, non. Non. Mais un petit retrack, peut-être. Je sais pas. C'est pas la priorité. Et d'ailleurs, on te demande aussi beaucoup tes relations avec MacRide, vu que tu as un peu une vitrine Mac ici, il y a beaucoup de produits Mac Product. Je suis le représentant de l'Europe de l'Ouest. Ouais. Pas trop loin, mais ça se passe toujours bien avec eux, ouais, notamment sur Krampus, c'était un beau challenge avec eux, gros produit. Sur Krampus, quand tu veux faire un water coaster, tu vas chez qui à part chez Mac? Chez Intamin, mais c'est pas ouf. Ouais. Donc non, c'était le choix logique. Après, faut pas se fermer les portes en disant je vais que chez Mac pour faire des attractions. S'il y en a d'autres qui ont des spécialités et que tu veux faire ça, bah ouais, par exemple totalement au hasard, RMC quoi, tu vois. Voilà, par exemple. On sait jamais. Enfin, tu vois, on met une petite puce dans l'oreille, on verra ce que ça donne. On avait une question avec Kevin. Est-ce qu'un jour il y a vraiment un pasteur qu'on pouvait... Avec Kevin? Ah ouais. Oui. On est avec Kevin quand Kevin. On faisait le tour. Mon Kevin, il pose la question maintenant. Ouais. Oui, il n'ose pas te la demander en vrai. Il ne savait pas me répondre. Okay. Est-ce qu'il y a vraiment un pasteur Niglo qui a marié des gens une fois à Nigloland? Ah oui, oui, bien sûr. Sérieux? Ça a déjà été fait. Ouais, ouais. Ça peut se refaire. Ah, mais ça arrive tous les ans. Il y a un pasteur Niglo? Un pasteur Niglo, il ne s'appelle pas Niglo, mais il y a un pasteur. Qui vient? Alors, il y a un pasteur, il y a un curé. Il faut prendre un rendez-vous, comment on fait? Oui, il faut prendre rendez-vous, c'est ça mieux. Ça m'intéresse. Il n'y en a pas un tout le temps. Il dort pas là, il habite pas là, mais on peut s'arranger. C'est trop bien. Non, mais ça arrive souvent, plus souvent que... D'accord, donc on peut vraiment se marier à Nigloland. Bah tu peux, entre l'hôtel, la salle de séminaire, ouais. La salle des jeux ici qui se loue aussi, je crois, hein, à côté du jukebox. Tout se loue. Tant que tu payes, tu peux louer. Bon, et bien dans ce cas-là, on va faire notre mariage à Nigloland, la bouille. Très bien. On loue le jukebox. Tant qu'il y a le buffet, moi ça me va. Tant qu'il y a le buffet. Alors, j'ai une question aussi. Ah. Oh, quelle est la question qu'on ne te pose jamais, mais que t'aimerais bien qu'on te pose? T'aurais pas travaillé dans Puissance Park, toi, avant? Ça me dit rien du tout. Mais il pose pas cette question, en plus. Non, mais c'est le genre de question qu'on comprend pas. Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, tiens, on m'a jamais posé cette question, pourtant j'aimerais vraiment y répondre. Genre, comment ça va la famille? Ouais. Non. Non, pas forcément. Est-ce que t'aurais dû me la poser avant, comme ça j'aurais pu me préparer. Est-ce que tu es fier de ton parc? Chaque année, je suis encore plus fier de mon parc. Et tu as raison de l'être, parce qu'il est très bien. Merci. Et puis on a pu bien découvrir les coulisses aujourd'hui avec notre bon petit Kevin qui nous a fait un petit tour. Il est sympa, Kevin. Il est quand même vachement sympa. Mais il n'avait pas son vélo. C'est vrai que là... Ça, c'est décevant. Non, c'est Francis normalement qui sort son vélo. Ah bah Kevin nous a dit qu'il avait un vélo aussi. Hein. Ouais. Mais l'utilise moins. Francis, il est plus feignant. Non, on coupera pas. Il va être content. Il va être content d'entendre ça. Mais en tout cas, merci pour tout. Et puis, de tout coup, on se retrouve à partir du 9 avril à Nigloland. On vous accueillera. Allez, merci à vous. Salut. Ciao.